Soucieuses de voir ses administrés en général et la population marchande des Eoabora en particulier mener leurs activités dans des conditions humaines, Françoise Mangouéji, bourgmestre de Dilala, a visité tôt les matins du mardi 11 juillet les hangars construits dans les cadres du projet du cahier des charges au marché honorable Kaseya. Outre les réalisations visitées, la patronne de la municipalité a voulu palper le besoin des sites catégories de sa population afin d'y trouver rapidement des solutions. Tukunakuya kumivisite, ninju tukuye karibu na mwee. Kama tunakuya karibu na mwee, paske kuku bantu bengine mena tafuta kunyona banyambi mambo mwee vifulani. Mie kubiro kuna kuwa mbari. Jo kwa mana mama Fifi anasema, mwanze kutoka mumabiro. Mwanze kuenda kule, kuku batoto yake, mwanze kuyua ni nini bana tafuta. Na nini inabakia ya kufanya. Kame mili kashi bana fanya yiku ya mzuri, mea mingi na yo inabakia ile tuteze kufanya. Jo kwa mana minasema, minajirepete tena mufanya delegasyo mkuye kubiro. Profitant de la présence du numéro 1 de la municipalité, la police à sous-commissariat Eoabora a présenté deux jeunes présumés criminels arrêtés la veille. La première citoyenne de Dilala a félicité les services de sécurité et a invité la population à dénoncer tout cas d'incivisme. Donc population na moi il faut les mutusaidie parce que aba bantu aba kama tunaenda kuangalia weko na baba yake weko na mama yake. Na kwa hapo wanasema huyu laki ashishiki yake eko laki mbalabala. Alors kama shi tunajiachiria sasa non il faut paka police ifanye kaja katumusaidie police. Batatulabisha batoto. Françoise Mangouéji a par la suite visité les victimes en observation dans une structure médicale de la place. Elle a donné des instructions fermes au chef de quartier Kanina pour les transferts des blessés dans une structure étatique et les soins sont pris en charge par la commune.